Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat avec la compagnie DIY Digital Art. Donc je remercie encore énormément la boutique. Donc j'ai commandé le 27 le 27, non pardon, attendez, que je dise pas de bêtises. Le 5 janvier, ça a été accepté le 6 janvier et je l'ai reçu aujourd'hui 15 janvier. Donc ça a mis 7 jours. Donc je vais vous présenter trois articles. Donc le premier article, c'est ça. Et vous allez me demander ce que c'est. Donc c'est de la cire. Alors attendez, je vais vous dire exactement à quoi ça sert. Et comme ça, vous saurez. Et en même temps, je vous donnerai le prix. Donc je remercie énormément la compagnie pour cette confiance. Voilà, c'est ça. Donc, c'était au prix de 2,63 €. Donc, vous voyez, je vous mets tout en vue. Est-ce que je peux mettre le site en français? Comment je peux faire ça? Alors attendez, je vais juste aller sur le site. Donc, cette petite chose-là, il y a 10 grammes dedans. C'est de la cire d'abeille, hein. Donc en fait, c'est pour le point de croix. Vous mettez votre fil, vous voyez là, vous avez des trous. Vous mettez votre fil et c'est censé ne pas faire de nœud. Et donc, quand vous faites sur un grand, grand fil. Ben en fait, vous n'aurez normalement pas de nœud. En fait, ça laisse une pellicule comme de la cire, mais ça s'enlève à l'eau. Donc, voilà à peu près à quoi cette petite chose sert. Donc, je vais tester. C'est pour ça que je voulais tester. Alors, attendez, là, je vois que il y a écrit quelque chose derrière, comme ça, au moins. Je vais vous dire exactement. Donc, le temps que j'enlève le papier qui gêne. Donc, ils disent cire d'abeille avec étui. Guide, renforce les fils, empêche les nœuds. Tiroir et fermeture à aiguille s'ouvrent facilement. Donc, voilà. Donc, ça empêche les nœuds, comme je vous dis. Donc, c'est à tester. Donc voilà pour le premier article et pour les deux autres, je vais juste les sortir de l'emballage et c'est du point 3. Donc pour la première toile, c'est laquelle celle-là? Bon, ben je vais vous faire celle-là d'abord. Alors celle-ci était au prix de... Non, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Elle était au prix de 9,20 €. Donc vraiment pas cher. Donc c'est du 11 CT, 50 sur 50 cm. Donc c'est une une imprimée. Donc voilà pour cette toile-là. Je vous mettrai tout le lien en barre d'infos, y compris le code promo que j'ai. Chez DIY Digital Art. Donc on a le petit toolkit comme d'habitude. Donc on a une petite bobinette, l'enfile-fil, je sais pas comment on appelle ça là, la petite bague et les aiguilles. Donc on a 5 aiguilles comme à chaque fois, hein, sur un petit pompon. Donc voilà, là nous avons les fils.
Et donc, pour le diagramme, le voilà. Donc, franchement, je vais m'amuser. Donc, la toile fait 191 x 191 points, 50 par 50, 11 CT. Donc, voilà pour le diagramme. Nous avons 38 couleurs. Et nous allons regarder maintenant la toile. Alors, au niveau de la toile, comment que ça se présente? Voyons, voyons. Elle est quand même grande, hein, 50 par 50, donc forcément, voilà. Au niveau des symboles, écoutez, il n'y a rien à dire. On les voit super bien. C'est confetti. Ça, je peux vous l'assurer. Et est-ce que j'ai des symboles qui se ressemblent? Écoutez, non, ça m'a l'air d'être bien. Peut-être le point rouge et le point orange. Mais d'après ce que je vois, tout a l'air correct. Donc voilà pour la toile. Donc je vous la montre en plusieurs fois parce qu'elle est tellement grande. Ensuite, au niveau des fils, nous avons... Nous avons du rab, hein, donc là c'est la couleur 40, donc le 919, on a tout ça, donc je pense que c'est pour l'ours. Ensuite nous avons 1, 2, 3, 6 échevettes de 902, donc un petit bordeaux marron. Donc voilà pour ce qu'on a en rab. Ensuite, nous avons pas mal de fils. Alors, ils sont juste trop beaux. Donc, comme je vous avais dit, hein, j'aimerais bien faire la collection des petits dragons également. Donc, voilà. Donc, on a tout ça comme fil. Alors, on a des belles couleurs. On a du rouge, du gris, du violet, du 4, c'est quoi ? 310, un violet que j'ai jamais eu. Il tire un peu vers le bleu. C'est du 333. On a un ocre, on a du gris, on a du... Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui joue. Hein, donc, désolé. On a du beige, on a du gris blanc, on a du rouge, on a du bleu, on a du violet, du gris, du vert, des beaux bleus. Des jolis ocres marrons. Franchement, des beaux oranges. Et pour la deuxième, on a du vert, du bleu, du ocre et du marron. Hein. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt contente. Et il me tarde de commencer toutes ces belles toiles. Donc, pour les fils, c'est bon. Et franchement, elle était vraiment pas chère du tout. Donc, je range la toile. Et au niveau de la livraison, il n'y a rien à dire. 7 jours, je crois que c'est bien la première fois que ça m'arrive. Honnêtement, vraiment très rapide. Je suis super contente. Donc, je vais ranger tout ça dans son emballage. Voilà, voilà. Désolée pour le bruit. Et là, on va passer à la seconde. Donc, cette toile était au prix de 10,08 €. On s'était... 40 sur 55 cm avec des petits pirates. Je vous montre mieux l'image. Voilà. Alors attendez. Voilà, là vous voyez mieux. Voilà. Et franchement, j'adore, j'adore. Donc voilà pour ça. Je vous ai donné les prix. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. On a le petit toolkit, donc comme d'habitude, la bobinette, les aiguilles, les 5 aiguilles.
le protège-doigts, le coupe-fil et le enfileur de fil. Donc voilà pour ça. Et la toile, la précédente toile était plus ou moins souple. Donc voilà pour ça. Alors on s'était 40 sur 55 cm, donc 148 de large sur 213 de haut au niveau des poulains. Donc je vous montre le diagramme. Bon là on ne peut pas vraiment voir ce que c'est, donc voilà pour ça, mais au moins il est là au cas où on se trompe ou on voit mal un symbole. Donc voilà pour le diagramme. On va regarder la toile. Elle est vachement rigide cette toile, alors que je la tienne du bon côté, ouais. Alors, au niveau des symboles, on a combien de couleurs? 42 couleurs, les amis. 42 couleurs. Donc, elle promet d'être super confetti, cette toile. Autour, ça va, mais la bête en elle-même, donc au milieu, là, c'est super confetti. Hein. Je vous montre de plus près. Je vais m'amuser. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, au niveau des symboles, qu'est-ce qu'on a? On a des flèches bleues, des croix bleues. On a des demi-carrés pleins rouges. Donc, ce symbole-là. Là, celui-là, là. On a du plein, on a du demi-plein. Et au niveau des symboles, je trouve que ça va. On n'a pas de symboles qui se ressemblent. Non. Peut-être au niveau des rouges, là. Ceux-là. Les cinq derniers avec les trois, là. Et là, ça, c'est du rose. Donc, ouais, c'est lisible hein, sur la toile. Donc, elle est quand même assez rigide, cette toile. Mais écoutez, hein, moi ça me plaît, donc voilà. Ensuite, au niveau des fils, alors 42 couleurs, c'est rare que j'ai des toiles avec autant de couleurs. Mais écoutez, moi ça ne me dérange pas, il faut prendre son temps de toute façon. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 échevettes de 919. Donc, un espèce de orangé marronné. C'est assez durable. Et au niveau des fils, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est la deuxième partie, mais je vais vous la montrer en première. Donc, du 37 au 42, on a... Ça, c'est un... Alors, le 42, c'est le 38-66. Donc, c'est un rose très, très pâle. On a du blanc, on a du marron, du bleu, du violet et du orange clair. Et pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des roses qui tirent vers le rouge. On a du noir, du orange, du gris, du rouge, du bleu, du violet, du mauve, du vert, du orange, du vert gris. On a du orange jaune, des bleus, des verts, des marrons, des bordeaux. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de couleurs. On a du beige couleur peau un peu. On a du vert d'eau. Un vert d'eau un peu plus clair. Voilà pour les couleurs. Donc, je sens que je vais m'amuser, franchement. Et puis, ils sont très attachants, ces petits dragons, je trouve. Ils sont pas menaçants du tout. Ils sont très mignons. Mignonnerie assurée. Voilà, mince. Je fais du bruit inutilement. Désolée pour vos petites oreilles. Voilà. Donc... je remercie énormément la compagnie pour ces
trois petites merveilles. Donc voilà, pour vous remontrer un petit peu l'étoile et l'accessoire. Donc je remercie du fond du cœur la compagnie pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit unboxing point de croix. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à commander sur ce site parce que c'est vraiment pas cher pour des toiles point de croix. Vous avez un code promo de 10%. Je vous le mettrai également en barre d'infos. 10%, c'est pas négligeable, hein, c'est déjà très très bien. Donc moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine les amis.